Ouais, c'est ça, courez, ordure. Qu'est-ce qui s'est passé? La milice est revenue et elle s'est mise à vous embarquer. Quoi, on court toujours après les kidnappeurs de Wolf. Alors, comment c'était? Le vieux t'a filé du GHB? Non. Non, en fait, je crois que j'ai de nouveaux pouvoirs. Vraiment? Allez, montre-le-moi. Montre-moi ce que tu sais faire. Ils doivent sûrement te rechercher. Réfléchis bien avant de t'attaquer à ces mecs. On doit se faire des alliés, pas en perdre. Je suis les gars qui ont pris Wolf, mais ça risque de traîner. Pendant ce temps, Cole, je crois que tu devrais récupérer certains débris dans son labo. Mieux vaut le faire avant la milice. J'ai mal. Il m'a suffi qu'une touche. Vous serez toujours mon héros. Pourquoi? Il y a une semaine, Empire City a connu la plus terrible catastrophe jamais survenue sur le sol américain. Tout a commencé par une série d'explosions qui a rapidement dégénéré en destruction massive de la ville au cours de ce que l'on appelle désormais le drame d'Empire City. Aujourd'hui, Empire City n'est plus que ruine. Aucun rapport officiel n'a été publié. Mais les dernières estimations parlent de millions de morts. La nation est en deuil et tous attendent des réponses. Quelle est l'origine de cette catastrophe? Est-ce que les États-Unis sont attaqués? Monsieur Houston de l'Agence de sécurité nationale mène une enquête sur place, mais déclare que les recherches n'ont rien donné pour l'instant. Par précaution, toutes les forces armées du pays sont en alerte maximale et des milliers de soldats ont été rappelés de l'étranger pour faire face à la crise. Nous ignorons toujours si la menace est liée à un groupe terroriste ou à une cause naturelle. Mais une chose est sûre. Le danger est réel et le phénomène frappe la côte est et progresse vers le sud, semant la mort et la désolation sur son chemin. Je comprends rien du tout. C'est vraiment de la folie pure! Où sont les journalistes quand on a besoin d'eux? Impressionnant. Vous avez un don? C'est rien au noyau d'énergie. Je vois pas. Je prépare la fonction maintenant. Aidez-moi!
tuer ailleurs. C'était de ma faute. Il m'a semblé voir un des pigeons voyageurs de Wolf près du sommet du clocher. Tu dois l'attraper. Ok, mais pourquoi ? Quand Wolf était chez les premiers fils, il utilisait des oiseaux pour communiquer avec son contact à la sécurité nationale, c'est-à-dire moi. Alors, Wolf n'est pas un petit copain qui aurait l'âge d'être ton grand-père, par exemple ? Non ? Je crois qu'on peut plutôt parler de figure paternelle. Ok, c'est cool. Je te juge pas. Jusqu'en haut. Tu peux aussi bien redescendre avec style. Bien, il doit y avoir une clé USB attachée à sa bague. Branche-la sur ton téléphone. Je t'ai déjà envoyé la clé de cryptage. Agent Kuo, je suis certain que vous seul serez à la hauteur pour décoder ces messages et qu'ils serviront de preuve accablante dans votre dossier que sont les premiers fils. Il est temps que le monde apprenne ce qui s'est passé. Des efforts doivent être mis en œuvre pour réparer au plus vite les dégâts causés par la métasphère. Des dégâts pour lesquels j'assume l'entière responsabilité. Partagez ces informations avec votre contact à Empire City. Le temps presse. C'est un bon début. J'ai vu ces oiseaux s'échapper du labo de Wolf après l'explosion. D'accord, je vais ouvrir l'œil. Ok, et pendant que tu y es, j'ai repéré des fragments de métacide près du clocher. C'est à quoi ? Des morceaux de terre irradiés lors du test de la métasphère. Wolf semblait croire que tu saurais quoi en faire. Ah, oui. Nous, on les appelle des fragments. Se passer, Cole. Mon corps absorbe leur énergie. Encore quelques fragments et je pourrais stocker plus de puissance. Ils peuvent être n'importe où. La collection de Wolf a sauté en même temps que le labo. C'est rien, je les trouverai. Écoute, dans cet enregistrement, Wolf a mentionné que t'avais un contact à Empire City. Tu le connaissais. En fait, il s'appelait John White. Tu rigoles.
L'agence savait pas vraiment ce qu'étaient les porteurs. Elle a analysé tous ses agents sur le terrain, et John et moi avions le gène. On était des choix logiques pour infiltrer les premiers fils. Il a donc été envoyé à Empire City, et moi à New Marais. On a protégé nos couvertures respectives. Qu'est-ce que John t'a dit sur moi ? Après l'explosion, ses rapports sont devenus très brefs. Tout devenait difficile à croire. Mais maintenant que je t'ai vu et que j'ai vu la bête... Ouais. Tout est devenu totalement dingue. Eh, au fait, tu te souviens quand on est venu ici la première fois et que j'ai rencontré des personnes, disons, un peu douteuses? Ouais, ouais, un peu de pénicilline et c'est passé. Voilà. Bon ben, c'est ton tour. Certaines avaient encore mon numéro et elles auraient besoin de l'aide de l'homme électrique. Oh, bon sang. T'es une star, mon pote. Même au fin fond du sud. Carrément du cran. Hey mec, t'es une star. J'ai été contacté par un flic et un drogué. Waouh, tu parles d'un fan club. Ces gens te prennent au sérieux, mec. En les aidant, t'envoies un message. New Marais, c'est un nouveau départ pour nous. Une autre chance. Ok, c'est bon. Hey, ces gens regardent ce que tu fais. Surtout quand tu balances des éclairs avec tes mains. Le karma, ça craint. J'ai pigé. Ce que tu vas faire? Je vais envoyer un message. Les gars de la milice exécutent tous les gens qui trouvent anormaux dans la maison pas loin. Si vous êtes aussi sympa qu'on le dit, vous devriez arrêter la milice et soigner les blessés. On va voir si tu peux voler. C'est trop bien. Saute, salon. Ces officiers se font tirer dessus. Va les aider, puis capture un gars de la milice pour l'interroger. Thank you.
bon sang, mon pote. T'entends ce connard qui tape sur des sous? Ah, je déteste ça. Rends service à tout le monde et terrorise tous les musiciens de rue que tu trouveras. Je savais pas que t'aimais pas les artistes. Ouais, c'est juste que j'aime pas qu'on me force à écouter leur musique. Sérieux, qui aime ça? Les gens arrêtent pas de parler de toi en ville, Cole. Ça va être dur de continuer à circuler incognito. Tout le monde va te demander de l'aide où que tu ailles. Alors on ferait bien de vite retrouver Wolf. Je m'en occupe. Pendant ce temps, t'as qu'à travailler un peu tes pouvoirs. Rends-toi à ses coordonnées. Donnez-moi quelques pièces. Thank you.
Wolf avait émis la théorie que l'absorption de noyaux d'énergie pourrait faire émerger des pouvoirs inactifs. D'accord, comment je les active ? Je crois qu'il faut que tu entraînes ton corps en utilisant tes pouvoirs de différentes façons. Donc je fais un petit mix quand j'explose la milice, c'est ça ? Essaye, il y a une escouade cachée près de ta position. C'est hallucinant. A mis la main sur des pseudo-monstres. Si t'interviens pas, ces gens vont servir de cible d'entraînement. Ma grâce! La milice a mis la main sur des pseudo-monstres. Si t'interviens pas, ces gens vont servir de cible d'entraînement. C'était vraiment généreux. Bien joué. C'est pas bien dur d'en changer. Ah.
Selon toute logique, tes autres pouvoirs devraient se développer de la même façon. Ok, c'est parfait, quoi. Je vais me balader un peu et voir ce que tu peux faire. C'est un homme mort! Je suis contente que tu fasses des progrès, Cole. C'est pas mon cas. J'ai perdu la trace de Wolf et le temps presse. Quand la milice aura eu ce qu'elle veut, ce sera un homme mort. On pourra pas descendre la bête sans ce type. C'est pour lui qu'on est venu ici. C'est bon, calme-toi. Si on arrive à faire parler Bertrand, il saura où Wolf se trouve. Qui ? Joseph Bertrand, le chef de la milice. En général, c'est un type plutôt discret, mais ce soir, il fait un discours devant Saint-Ignace. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut le choper direct après son discours et découvrir où il cache Wolf. D'accord. On va voir, Monsieur Bertrand. C'est dingue ! Oh ! Pitié ! Je vous le dirais si je savais où ils étaient.